Présenter mon dernier instrument, donc mon clavier. Donc bah, je vais commencer maintenant, hein. Je vais vous le montrer avant. Je m'en recule. Donc voilà le clavier. Donc c'est un Yamaha Tech. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est un Yamaha YP210, donc bah, 61 touches, style orgue, avec le petit écran ici, si vous voyez. Bref, où il y a la clé de sol, écran LCD 92 et 32 mm. Bon, bref, c'est un clavier quoi, avec plusieurs. Alors. Pour la présentation, en gros, il y a plusieurs instruments quoi. On va faire rapidement. Donc en sangle de 1 à 3, Topix, de 4 à 11, orchestra, 12 à 31, pianiste, 32 à 55, practice, 56 à 69, duet, 70 à 102, core, lesson, le style. Donc de 1 à 10, 8 bits. De 11 à 16, 16 bits, 16 bits quoi. 17-23, balade. 24-35, dance. 36-39, disco. 40-47, swing et jazz. 48-54, R&B. 55-58, country. 59-66, latin. 76-70, ballroom. 78-87 traditionnel, 88-92 waltz, 93-100 pianiste, en voice, 1-5 piano. Donc les 1-5, c'est les différents styles de musique en fait. Enfin d'instruments, pardon. 6-9 piano, 10-14 orgue, organe, 15-17 accordéon, 18-25 guitare, 26-33 basse, 33-45 strings, pardon, 46-48. 39-56 saxophone, 57-61 trompette, 62-64 brasse, 65-72 flûte, 73-80 synthé lead, 80-88 synthé pad, 89-104 percussion, 105-112 synthé effet, 113-121 world, 122-129 son effet, 130-142 drum. 143-375 X glit et 3-0 OTS. Donc j'ai en gros 375 instruments dessus environ. Donc je vais juste le brancher. Je vais faire une petite démo en son. On va voir. Donc là, 80, je reviens. De toute façon, ouais, c'est un synthétiseur simple mais sympa. J'aime bien ça. Donc, j'ai dit 80. Donc, voilà, bah, une gamme quoi. Simple, bah voilà, c'est j'ai choisi New Age, donc ça fait partie des New Age, ça fait partie des 80, donc en synthé pad. Donc voilà, bah, je sais pas quoi vous dire plus. Je peux enregistrer, je peux mettre des musiques, genre voilà, comme ça, ou je peux augmenter le son, je peux faire pas mal de trucs, donc je connais pas encore tout au maximum. Il y a tellement de. Je peux mettre un métronome aussi, enfin c'est. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le clavier? Si, bah, les branchements, là j'ai le branchement casque, là c'est le chargeur, et là j'ai deux petits branchements
Là, c'est Sunstein. Et j'ai un MIDI et un out, donc en branchement. Voilà. Bah, je pense que c'est tout. De toute façon, je ferai une démo à la prochaine vidéo. Je vous laisse la surprise et puis, bah ouais. Je pense que c'est tout pour la présentation du clavier. Il y a tellement de trucs tout en détail. Je pense que ça va durer pas mal de temps. Bon, bah sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour la démonstration du clavier et je vous dis bonne semaine ou bon jeudi, etc. Allez, salut, bien à vous.